tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Christmas tag qui est un petit peu spécial et que je fais pour la première fois. Donc j'espère que vous aimerez beaucoup et nous allons commencer tout de suite. Pour commencer, en question 1, as-tu déjà eu un Noël blanc ? Dernièrement, je ne me souviens pas avoir eu de la neige à Noël. En fait, ça m'a pas spécialement marqué, mais je me souviens bien du Noël 98. J'étais toute petite. Et le 25, le matin, je me lève, je descends, je découvre le sapin avec tous les cadeaux, dont ma Game Boy Color, je me souviens, avec mon jeu Mario. Et en fait, juste à côté du sapin, il y avait la baie vitrée et elle était enneigée, quoi. Tout le jardin était enneigé et j'étais émerveillée par ce Noël. En fait, c'est vraiment le Noël qui m'a marqué quand j'étais petite et je me souviens qu'il y avait de la neige à cette période-là. Question 2. Où passes-tu habituellement Noël ? Donc habituellement, je passe Noël dans ma belle famille, donc dans la famille de mon chéri, où nous sommes assez nombreux et ça se passe vraiment très très bien. Donc il n'y a pas 36 000 repas chez moi, en fait, c'est juste chez la belle famille. Et puis voilà. Question 3. Quel est ton film préféré des fêtes ? J'en ai pas un, mais plusieurs. Il y a les films Super Noël. Super Noël que j'ai beaucoup apprécié et que je regarde chaque année. Et aussi le film Maman, je m'occupe des méchants. Donc c'est un classique qui passe en général toujours en période des fêtes et que je regarde tout le temps. Question 4. Ton sapin est-il un vrai ou un faux? D'après vous? Bien sûr c'est un faux et ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de vrai sapin et c'est vrai que l'odeur du sapin me manque mais les épines ne me manquent pas. Donc actuellement c'est un faux mais pourquoi pas éventuellement penser à un vrai les années suivantes. Sois honnête, préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux ? On va pas se mentir, forcément j'aime beaucoup recevoir les cadeaux car forcément je ne m'attends pas tout le temps à ce que je vais avoir et en général c'est toujours la grande surprise mais toujours très positif. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup recevoir les cadeaux mais j'aime aussi beaucoup les offrir parce que j'adore vraiment l'effet de surprise que ça fait aux gens. Parce que mine de rien, en fait, à longueur d'année, j'écoute « Ah ben, t'as vu ça? J'aimerais bien avoir ça, machin. » Et en fait, ils se souviennent plus. Et à la fin d'année, ils disent « Oh, mais tu y as pensé, machin et tout. » Et j'adore, c'est vraiment l'effet de surprise et le contentement que ça offre à mon entourage, les personnes que j'aime. Montre-nous ton habit cucu de Noël. Alors, en période de fête, j'aime beaucoup mettre ce petit legging pyjama que vous reconnaîtrez tous, que vous avez déjà vu dans les photos, avec des petits rennes et des petits cœurs, vraiment cucu à souhait. En fait, il est déjà un petit peu abîmé en fait avec le lavage, mais c'est un pantalon que j'aime toujours remettre et qui me fait penser à Noël, qui me donne l'esprit de Noël. À quel endroit aimerais-tu passer Noël ? Si vraiment j'avais la possibilité de le faire, j'emmènerais les personnes que j'aime et moi-même à Disneyland. Ce serait cool de pouvoir passer son Noël directement à Disney. Je pense qu'on peut pas mieux faire au niveau émerveillement, fête, etc. C'est vrai que ce serait chouette. Ou éventuellement penser à un petit voyage, une excursion dans un autre pays comme les États-Unis, le Canada ou quelque chose comme ça. Si possible, que ce soit enneigé à cette période-là et ce serait vraiment l'idéal. Ensuite, as-tu un calendrier de l'Avent ? J'avoue que cette année, je n'ai pas pensé à me prendre un calendrier de l'Avent. J'ai pensé à prendre tous les chocolats pour tout le monde, mais j'ai pas pensé encore au calendrier de l'Avent. Mais c'est pas grave, il me reste... Là, j'ai à peu près 6 ou 8 jours à manger, donc ça va être cool. Donc je vais pouvoir me l'acheter et m'empiffrer de chocolat. Donc je sais pas encore lequel je vais me l'acheter, mais je serais bien branchée par celui de chez Kinder. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais il est en forme de maison et vous avez des modèles différents de Kinder pour les fêtes. Ensuite, quelle est ta couleur préférée de Noël ? Je vais pas vous cacher, en fait, de base, j'aime beaucoup le rouge. Et le rouge, c'est ce qui ressort le plus en période de fête avec le vert, forcément. Mais j'aime vraiment beaucoup le rouge qui est une couleur très voyante, très pétante. D'ailleurs, ma voiture est rouge. Donc, et mon rouge à lèvres est rouge. Donc, forcément, on peut deviner que j'aime beaucoup le rouge.
Tu devrais acheter un cadeau de Noël à n'importe qui, qu'est-ce que ça serait? Bonne question. Parce que ce serait un cadeau qui puisse être mixte. Bonne question. Bah en fait pour je pense que je me gênerais pas en fait, je pense que je ferais simple. Étant donné que je ne sais pas si ce serait un homme ou une femme à qui offrir ça, en fait, je pense que je prendrais une sorte de pochette surprise avec des produits style bah, de chez Lush ou quelque chose comme ça et faire en fonction de la personne quoi. Donc je sais pas trop. Je pense que ce serait surtout une pochette surprise avec des produits différents. Par exemple, je sais pas, un gel douche, truc de bain, etc. Je pense que ce serait ça en fait qui me viendrait principalement en tête. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question étant donné que c'est un petit peu comme ça. Direct, c'est chaud. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous prendriez pour une personne comme ça, sans savoir, dites-moi. Est-ce que tu ouvres tes cadeaux la veille de Noël ou le matin même? Quand j'étais petit, c'était le matin même. Et maintenant que je suis adulte, c'est la veille de Noël. Peu avant Noël, donc on ouvre tous les cadeaux, puisqu'on est à table et en famille. C'est vrai que c'est mieux d'ouvrir ça en comité que de se lever, être toute seule ou en couple et puis devoir ouvrir ses cadeaux. Je pense que c'est mieux de partager avec les autres et puis au moins on voit l'émerveillement sur le visage, sur les visages de tout le monde. Est-ce que tu as déjà construit une maison en pain d'épices? Non, jamais. Je savais même pas qu'on pouvait faire des maisons en pain d'épices, bien que ça ne m'ait jamais traversé l'esprit. Mais pourquoi pas tenter un jour? C'est vrai que ce serait cool. Et vous, est-ce que vous construisez des maisons en pain d'épices? Je serais bien curieuse de savoir, et éventuellement, si vous pourriez me poster des photos sur la page Facebook. Je pourrais au moins voir un petit peu quelles sont votre créativité du moment et des fêtes. Ensuite, quelle est ton odeur de Noël préférée? Bah, je pense en fait que pour tout le monde, un petit peu pour tout le monde, ce qui fait penser aux fêtes, c'est l'odeur du sapin de Noël, l'odeur de pain, de sapin, de pommes de pin. Je pense que c'est ce qui revient le plus en termes d'odeur. Sinon, j'aime beaucoup aussi celle de la fleur d'oranger. Je ne sais pas pourquoi, c'est une odeur que je retrouve chaque année quand je vais bah, dans les magasins, dans les parfumeries. C'est une odeur que je sens régulièrement et c'est une odeur que j'aime bien retrouver pendant les fêtes. Et pour terminer, question 14, quel est ton plat ou dessert de Noël préféré? La bûche pâtissière en prums, j'aime vraiment beaucoup la bûche pâtissière au cacao, mais aussi la bûche glacée. Donc c'est vraiment le top du top quoi, j'adore. C'est super bon quoi, je pense qu'on... Puis après au niveau des plats, bah, en fait j'aime vraiment tout quoi. Tout ce qu'on me donne, je le mange. Donc j'ai pas forcément préférence. Mais c'est vrai que comme je suis fort sucrerie, en fait c'est plutôt les desserts qui me marquent. Et donc bah, les bûches de Noël forcément. Pâtissière première et glacée en second. Donc voilà, ce tag est ainsi terminé. Et donc je souhaite taguer tout le monde qui lit cette vidéo et qui possède une chaîne YouTube, n'hésitez pas un petit peu à répondre aux questions que j'ai pêché un petit peu sur la chaîne YouTube de Mademoiselle Peachy que je fais coucou au passage si elle passe par là. Et voilà, je tague tout le monde, toutes les personnes qui possèdent une chaîne YouTube et qui souhaitent répondre à ces questions. Je serais vraiment ravie de voir vos réponses en vidéo et ainsi partager ce moment avec vous. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!